Test, 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 test. Vous m'entendez? Testing. Allô? Testing. C'est bon? Super. Est-ce qu'on est aussi en ligne? Ok. On y va. Bon, bah, bienvenue à tous et à toutes. Ça fait plaisir de voir des visages très familiers ici aussi. Il faut que je descende. Est-ce que vous m'entendez? Je ne peux pas le toucher parce que c'est fait pour le cœur après qui est juste là en train de... Donc j'essaierai. Est-ce que vous m'entendez mieux maintenant? Ok. Bon, super. Donc, on va déjà se présenter. Véronique Sicora, qui est membre du Conseil d'initiative et changement suisse et aussi coprésidente des Amis de Caux. Et Stéphanie Bury, co-directrice d'Initiative et Changement Suisse. Voilà. Et donc, pourquoi sommes-nous ici aujourd'hui? On est au Caux Palace, qui est, pour ceux qui sont en ligne, qui est au-dessus de Montreux, en Suisse, et c'est propriété d'Initiative et Changement depuis 1946. Juste pour que vous sachiez, on va essayer de faire moi français, Véronique anglais, et après on va switcher pour la diversité des langues. Donc vas-y, Véronique. Alors, on behalf of Initiatives of Change Switzerland and the Friends of Caux, we welcome you to the Caux Palace, which is situated above Montreux, and in Switzerland, of course, and which has been housing Initiatives of Change since 1946. Donc cet événement est assez spécial parce que nous sommes ici en présence au Caux Palace, mais on est aussi en même temps diffusé en ligne où il y a des gens de partout dans le monde qui nous regardent aussi. And yes, for those of you are here present, but those of you online, we welcome you too, as we know that you are watching with us. Et cet événement sera aussi enregistré et il sera disponible sur notre site web plus tard aussi. Yeah, the event will be available on the website for you to watch at a later date. Donc, nous célébrons plusieurs événements aujourd'hui. Bien sûr, il y a notre fête nationale suisse. On arrivera peut-être après, si le temps le permet, aussi de rejoindre la Société de développement de Caux au Haut de Caux. Je ne sais pas s'il y aura un feu, mais on verra bien, ça dépendra de la pluie. En tout cas, il y aura de la bonne humeur, ça c'est sûr. On célèbre aussi le dernier jour du Caux Forum en ligne. Et le Caux Forum, qu'est-ce que c'est? C'est une série d'événements et de conférences qui normalement a lieu ici, même dans cette salle-là, mais dans tout le Caux Palace. Et ces dernières deux années, ça a eu lieu en ligne. Et cette année, on a eu, c'était donc, ça a commencé en juillet, donc tout ce mois-ci, on a eu plein de différents événements autour de différents thèmes et pour trouver des solutions aux défis d'aujourd'hui. Et on a eu environ 1500 participants. Donc aussi, merci beaucoup à tous ceux qui ont aidé à faire que ce Caux Forum ait eu lieu de nouveau en ligne et que ça a été même un succès, même si on n'a pas pu aussi le faire depuis ici. Et la dernière chose aussi, bien sûr, qu'on nous célébrons, c'est les 75 ans d'Initiative et Changement Suisse, d'où notre événement aujourd'hui ici. So, today is a special day as we are celebrating a variety of events. Of course, to start with, the Swiss National Day, for those of us who are here, will be able to join the Société de développement de Caux later, again, as if depending on whether the weather permits, and hopefully there'll be a fire. It also marks the end of the Caux Forum online, which was a month worth of online meetings and conversations with over 1,500 registrations throughout the world, and the aim was to find solutions to today's most pressing issues. We're also, of course, celebrating the 75th anniversary with this special event today, and we thank you for being here. So, I think I have to do a switch of languages. Yeah, so you, I don't know, there's a special term for it, but I can't get it. Anyway, alors, peut-être que quelques-uns d'entre vous le savent déjà,
Tout au long de cette année, nous fêtons les 75 ans de rencontres d'initiatives et changements à Caux. Nous sommes ici suite à une initiative lancée pendant le week-end des Amis de Caux, et c'était en novembre l'année passée, en ligne aussi, et surtout par Claire Martin, qui a proposé de chanter les chants de l'époque pour raviver l'esprit de Initiative et Changement. Claire Martin, Andrew et Eliane Stalibras se sont dévoués pour retrouver des partitions et les paroles dans les archives, et ils ont lancé un appel à des choristes que vous allez retrouver tout à l'heure. Ceux-ci ont œuvré vraiment pour chanter ces belles paroles que vous entendrez et que vous trouverez dans les livrets qui se trouvent sur vos tables et en ligne. Les chants seront sous-titrés. Alors, Stéphanie. Merci. So now I will do the switch on to English. So, as we said, we're celebrating 75 years of encounters, of initiatives of change in Caux. And this today, this choir that you will listen to, is a result of initiatives launched by the Friends of Caux, and by one of the members, who was from Claire Martin. And she, her wish was to sing the songs written, sung, and sung in the past to revive the spirit of Caux, of IFC, Initiatives of Change. So Claire Martin, Andrew, and Eliane Stalibras went to great lengths to retrieve the music and lyrics from the archives and appealed for vocalists who practiced extensively. The lyrics can be found in the booklets that you have on your tables, and for those of you online, they will be subtitled and you will see them on your screen. Nous aimerions particulièrement saluer la présence de Cathy Luthi Boschkrevink, qui se trouve... Où es-tu, là. Cathy? Là! Et puis, Gretel Trog. Gretel, where are you? Voilà. Elles étaient là en 1946 pour la remise en état de la maison et le démarrage de la première conférence. Et aussi vous, qui regardez en ligne du monde entier, dont certains étaient aussi parmi ceux qui étaient ici en 1946. So we would like to especially acknowledge the presence of Cathy Luthi, who's right here. Yes, please go ahead, stand up. Thank you. Who was also here in 1946, and Gretel Trog. You said you were here in 1946 or 1940? Tu étais là en quelle année, Gretel? Elle était là au commencement. Yes. Donc, merci d'être ici. Thank you so much for being here. And also, for those of you online who were not here today with us, but who were also there at the beginnings in 1946. Nous remercions tous et toutes qui ont participé à cette journée, ainsi que vous qui regardez avec nous, et nous vous souhaitons un bon et beau spectacle. We thank all of you who have participated in the success of the celebration, and those of you who are here today with us, and just enjoy the show. Place au cœur. Fede che non mola per un male.
Je suis Eliane Stalibras et j'ai beaucoup travaillé à l'organisation des conférences, comme mon mari Andrew, et plus tard je suis devenue l'archiviste de la Fondation. Andrew s'est beaucoup occupé de la communication. Cet après-midi, nous n'allons pas tenter de vous donner en une heure toute l'histoire de ces 75 ans. Ce n'est qu'un aperçu de la musique des premières années, avec une incursion dans les années 60. Eliane worked for many years in the organizing of the conferences here, and later as the Foundation's archivist. I looked after communications. This afternoon, we're not trying to give you, in a brief hour, all of the history of these 75 years. It is only a flavor of some of the music from the early days with a brief incursion to the 1960s. Comme on vous l'a dit déjà, cet événement est né dans le cœur et l'esprit de Claire Martin Fiau. Elle était ici en 1946 avec son frère Jean. Alors, est-ce qu'on peut avoir la photo suivante maintenant? Voilà, vous les voyez là, Jean devant, Claire de côté. Ils étaient avec Frank Buchmann exactement le 1er août 1946. Oui. On peut. Des amis de Suisse romande, de notre paroisse de Montreux, des voisins et un cousin se sont ralliés à nous pour préparer ces chants. À tous, nos chaleureux merci. This event was born in the mind of Claire Martin Fiau, as you've already heard. She was here in 1946 with her brother Jean, as you can see on the screens. Friends from Suisse romande and our parish in Montreux, neighbors and a cousin have rallied round to prepare these songs for you today. To them all, many thanks. Vous l'avez constaté. Notre premier chant était en italien, écrit en 1951. Les paroles étaient d'Angelo Pazzetto. Pazzetto, auparavant, avait écrit des chants pour Palmiro Togliatti, un des fondateurs et secrétaire général du Parti communiste italien. La musique est de Herbie Allen, un Américain, qui a aussi été au cœur de la création du spectacle et mouvement Up with People. Our first song was in Italian, as I hope you realized, dated 1951, with words written by Angelo Pazzetto. Pazzetto had written marching songs for Palmiro Togliatti, a founder and secretary general of the Italian Communist Party. The music is by Herbie Allen, an American who was later one of the key creator musicians of the musical show and movement Up with People. Nous allons maintenant vous chanter le chant le plus ancien de notre présentation, Bridge Builders, constructeurs de ponts. Il date de 1935. George Fraser en a écrit la musique. Il était natif d'Édimbourg, musicien et organiste. John Morrison, son ami, d'Édimbourg aussi, où il était pasteur, en a écrit les paroles. We will now sing the earliest song in these musical stories, Bridge Builders, dating from 1935. George Fraser was an Edinburgh-born musician and church organist. While he wrote the music, his friend John Morrison, an Edinburgh church minister, wrote the words. Dans les années 20 et 30, le travail de Buchmann portait le nom de Groupe d'Oxford. Le premier ministre du Danemark, à cette époque, s'est référé aux efforts de ce groupe pour construire des ponts entre les individus, les classes et les nations. Alors que l'Europe se réarmait pour ce qui allait déboucher sur la Seconde Guerre mondiale, Buchmann annonça
ce dont le monde a besoin maintenant est un réarmement moral et spirituel, dont est issu le nom réarmement moral. In the 1920s and 30s, Frank Buchmann's work was known as the Oxford Group. The Prime Minister of Denmark at that time talked about the Oxford Group's work in building bridges between classes and nations. Then, as Europe was rearming for what would become the Second World War, Buchmann said, what the world really needs now is a moral and spiritual rearmament, which gave us the name moral rearmament. So, bridge builders. Le travail de Buchmann en Allemagne et ailleurs ne réussit pas à éviter la Deuxième Guerre mondiale, le conflit le plus meurtrier de l'histoire humaine, la Shoah, deux bombes atomiques, un traumatisme collectif.
Buchmann's work in and around Germany failed to avert the Second World War, the deadliest conflict in human history, the Shoah, two atom bombs, the collective suicide of a civilization. En 1942, un jeune diplomate suisse, Philippe Motu, nota dans son calepin que si la Suisse se sortait de cette guerre, lui et ses amis devraient trouver un endroit où les ennemis se retrouveraient pour commencer le travail de guérison. Caux est l'endroit, écrivit-il. Ainsi, en 1946, des courageux pionniers achetèrent le vieil hôtel abandonné pour y démarrer des conférences. Quand Buchmann arriva cette année-là, il demanda « Où sont les Allemands ?» Il y en avait juste une poignée dans la maison. In 1942, a young Swiss diplomat, Philippe Motu, wrote down the thought that if Switzerland came through the war, he and his friends had to find a place where the enemies could meet and start the work of healing. Caux is the place, he wrote. So in 1946, the Swiss pioneers bought the derelict hotel for the first conferences. When Buchmann arrived that year, he asked in the entrance hall, where are the Germans? There were already some Germans in the house. En 1947, le premier groupe de 130 Allemands arriva à Caux. Ils furent accueillis par un chœur international qui chanta pour eux le prochain chant. And in 1947, the first larger group of 130 Germans arrived. The Germans were welcomed by an international chorus, singing for them the next song in German. Es muss alles anders werden. Der sanften grünen Hügel, Land der Wald.
En octobre 1948, un spectacle musical fut préparé ici à Caux et une exposition de photos mises sur pied pour accompagner un groupe de 250 personnes qui partirent sillonner l'Allemagne. Ils sont partis de Caux dans des bus fournis par la Suisse. In October 1948, a musical show was prepared here in Caux and a traveling exhibition, and an international group of 250 left here to crisscross Germany. They left Caux in buses offered by the Swiss. La chanson titre de leur spectacle, The Good Road, La Bonne Route, avait été écrite par un auteur de théâtre anglais, Alan Thornhill pour les paroles, et Paul Misraki pour la musique. Un Français juif qui avait fui à Hollywood pendant la guerre et qui a, entre autres, écrit la musique des films de Jean Renoir. Misraki est toujours connu dans le monde francophone pour son chant incontournable « Tout va très bien, Madame la Marquise ». Ici, Misraki dirige des musiciens de l'Orchestre de la Suisse romande au Victoria Hall de Genève. Ils enregistrent la bande-son qui accompagnera le spectacle en tournée. The theme song of their show, The Good Road, had words written by an English playwright, Alan Thornhill, and music by Paul Misraki, a French Jew who fled to Hollywood during the war and wrote film music for all of Jean Renoir's films. Misraki is still remembered by many today for his humorous song, Madame la Marquise, tout va très bien. This photo shows Misraki conducting musicians of the Orchestre de la Suisse Romande in the Victoria Hall in Geneva. They're recording the soundtrack for the playback for the show. So, The Good Road. Hundreds of roads, hundreds of years, hundreds of hopes, hundreds of fears, hundreds of guides to show us the way. But there's one good road, one good road, so some of the wise men say. Un autre géant de la musique de l'époque était aussi cowboy canadien
et peintre, Cecil Broadhurst. Le chant suivant, avec son message tout simple, est probablement celui qui a été le plus chanté depuis sa création. Andrew l'a chanté dans une petite salle à des politiciens qui se tenaient à 3 mètres. Moins. Another of the musical giants was the Canadian cowboy, writer and painter Cecil Broadhurst. This song, with its simple message, may well be the most widely known and sung song from the MRA stable. I've had to sing it at point-blank range to politicians. When I point my finger at my neighbor. When I point my finger at my neighbor, there are 3 more pointing back at me. The little one says, you're not so hot. If you blame the other fellow, then you're on the spot. Or when I point my finger at my neighbor, it just ain't honesty. 'Cause in my heart I feel that I first must deal with the 3 that are pointing at me. When I point my finger at my neighbor, there are 3 more pointing back at me. The second one says, go easy, pard. You ain't cleaned the rubbish from your own backyard. Or when I point my finger at my neighbor, it just ain't honesty. Because I realize I must first get wise to the 3 that are pointing at me. When I point my finger at my neighbor, there are 3 more pointing back at me. The third one says, supposing you had it to run the country, what would you do? Or would you point your finger at your neighbor? Where would this nation be? Well, I couldn't wait, so I soon got straight with the 1, 2, 3 that are pointing back. When I point my finger at my neighbor, there are 3 more pointing back at me. They seem to say, see here, my lad, maybe you are just about 3 times as bad. Or when I point my finger at my neighbor, it just ain't honesty. 'Cause in my heart I feel that I first must deal with the 1, 2, 3 that are pointing back at me. Cecil Broadhurst a aussi écrit un des spectacles musicaux le plus connu et apprécié, Jotham Valley. C'est l'histoire de 2 frères, éleveurs de bétail aux États-Unis, qui se disputent pour des questions de sécheresse et d'attribution de l'eau. Ce spectacle a voyagé en Asie en 1952 et 53. Le prochain chant est tiré de ce spectacle. Cecil Broadhurst wrote one of the best-known and loved musicals that traveled widely in Asia in 1952-53, Jotham Valley, the story of 2 brothers in the United States, family division, and tensions around drought and water, universal themes. The next song is from that musical, Somewhere in the Heart of a Man. The
The human heart accumulates, I hear, an awful lot of hate and pride and fear. It makes a fellow dumb, it makes a fellow deaf, it blinds him and it binds him right and left. But if I'm honest, I agree, an awful selfish guy like me needs ever let a day go by, a minute or an hour go by. A man gets tired of sinning, he could make a new beginning quicker than a flicker of an eye. Somewhere in the heart of a man seems to me there the key. And it hides a fellow's yearning for the world he longs to see. And with just a simple turning, he can soon start making history. Somewhere in the heart of a man, there the door. And what's more, he can fling it wide and throw the key away. And for me, it's like a sunrise on a summer day. Nous avons maintenant deux chants de Paul Misraki, écrits peu après la guerre. Misraki est venu plusieurs fois à Caux et a écrit pour le chœur. Bookman avait rencontré dans les années 20 le Mahatma Gandhi et il leur est attribué à tous les deux cette phrase. Il y a bien assez dans le monde pour les besoins de tous, mais pas pour la convoitise de chacun. Si chacun se souciait des autres et partageait assez, il y aurait assez pour tous. Misraki s'est inspiré de ce thème pour le prochain chant. Et nous continuerons immédiatement avec un autre chant de Misraki. We now have two songs dating from those early post-war years when Misraki was a regular visitor to Caux and was writing songs for the Caux chorus. Frank Bookman met Mahatma Gandhi in the 1920s, and attributed to them both is the phrase, "There's enough in the world for everyone's need, but not for everyone's greed." Bookman went on, "If everyone cared enough and everyone shared enough, everyone would have enough." This first song addresses this need to care and share, and we continue with another song of his, Tant que l'avare est avare, and Il nous faut un printemps pour le monde. Et l'orgueilleux,
riche, accapare que la reine ne sait pas, ça n'ira pas mieux. Tant que l'on ment à la ronde, au sien, à soi-même et au fisc, on risque, de voir s'écouler tout un monde qui l'aura mérité. Excellent système en affaires, comme à la maison, on voit que les conflits s'apaisent quand on s'aime, en cherchant ce qui est juste et non qui a raison. Ça rend en Chine, ça rend au Japon, pour fin l'épine et chez les lapins, ça rend en Italie, ça rend à Glasgow, en Australie et même à Chicago. Et découvrez, messieurs, que ça peut être contagieux. Car tant que l'avare est avare et l'orgueilleux orgueilleux, tant que le riche accapare que la reine ne sait pas, ça n'ira pas mieux. Tant que l'on monte à la ronde, au sien, à soi-même, assassin, c'est etc.
La tradition de spectacles musicaux itinérants a continué pendant une trentaine d'années. Nous avons tous deux participé à un de ces spectacles européens, appelé en anglais « Anything to Declare ». En français, nous l'avons baptisé « Il est permis de se pencher au dehors ». Un clin d'œil au CFF qui, à l'époque où on pouvait ouvrir les fenêtres des trains, avait apposé devant chaque fenêtre la notice « Il est interdit de se pencher au dehors ». This tradition of traveling musical shows continued for another 30 years. In the late 1960s, Eliane and I were both part of a European show created here in Caux called Anything to Declare. The French title was You Are Allowed to Look Out of the Window, a contradiction of the instructions in the old Swiss trains. Deux frères italiens étaient alors venus passer des vacances dans le village de Caux et par hasard découvrir le centre de conférence. Ils entendirent parler des valeurs absolues qui peuvent vous aider à trouver votre route dans la vie, mais qu'on n'atteint jamais car trop parfaite. Comme des navigateurs qui se dirigent avec l'étoile polaire, ils ont illustré cette idée par un chant qui a fait partie de notre spectacle. Two young Italian brothers came to this village on holiday and by chance discovered the conference center. They heard about absolute values that can help you steer the right course in life, but that you never fully reach, like sailors steering their ships by the North Star. They wrote this song, which then became part of our show, La Stella Polare. Una nave laggiù prende il largo e lontano nel mare si perde, tutto intorno la notte già scende, sopra un mare che ha perso il suo blu, tutto un piccolo mondo di sogni, di dolori, sorrisi e parole. Ha perduto la luce del sole, ma ha trovato una stella lassù. E la stella polare, tu la devi seguire, è la stella che in mare ti insegna
vita una nave che sul mare è partita. Se le vogliamo dare un scopo, una meta, la dobbiamo orientare. Capitano che cerchi sul ponte, la tua bussola è forse smarrita, per trovare qui in terra una meta, devi prima guardare lassù. Capitani del nostro naviglio, se la bussola abbiamo smarrita, non dobbiamo mai dire è finita, c'è una stella su in cielo per noi. E la stella polare tu la devi seguire, e la stella che in mare ti insegna. Encore un chant de ce spectacle. La musique est de Jean-Jacques Audier, éditeur, compositeur, journaliste, peintre, et les paroles sont de Claire Evans Weiss, une des jeunes françaises qui a voyagé avec la bonne route en Allemagne. And here is another song from Anything to Declare with music written by Jean-Jacques Audier, éditeur, composer, painter, and words by Claire Evans Weiss, one of the young French who traveled through Germany with the good road, La Pierre et le Pain. Une pierre, lui donneras-tu du pain. Lorsqu'un homme te donne la main, dis-lui je suis ton frère et donne-lui le vrai pain. Si certains ont l'estomac vide, est-ce la nature qu'il faut blâmer, ou bien nos divisions sordides et notre confort trop bébé. Voilà ma main s'endurcie, la pierre qui leur est jetée. Ils attendaient le pain de vie, mais peuples de la chrétienté. Lorsqu'un homme te dit j'ai faim, lui donneras-tu une pierre, lui donneras-tu du pain. Lorsqu'un homme te donne la main, dis-lui je suis ton frère.
tremblante dans la main. Dis-lui, je suis ton frère, et donne-lui le vrai pain. Et donne-lui le vrai pain. Et maintenant, un chant écrit en 1944 pour un petit spectacle créé pour et par des enfants, Bungle in the Jungle, qui se traduit par Caux dans la jungle. We have another song by the Scottish organist and composer George Fraser, dating from 1944. It's a children's song written for a play written by and with a group of 6-7-year-old kids, Bungle in the Jungle. The polar bear breezed in from the north, from the land of the frozen sea. With his fur so white and his eyes so bright, now what can his secret be? Tell us, polar old boy, what can your secret be? It's a very simple secret. It's a secret that's come to stay. Making honesty, purity, love and unselfishness absolute every day. So, rising in the morning early, taking time to be guided today, then your fur will whiten and your eye will brighten and the bungle in the jungle will vanish away. It's a very simple secret. It's a secret that's come to stay. Making honesty, purity, love and unselfishness absolute every day. So, rising in the morning early, taking time to be guided today, then your fur will whiten and your eye will brighten and the bungle in the jungle will vanish away. Possiamo lavorare e sulla
Est-ce que vous en voulez encore un? Enfin, un qu'on a déjà chanté. Lequel? Pardon? Hein? Ok. Un pour When I Point My Finger. Autre, un autre. La chanson allemande. La chanson allemande. Ah, la deuxième chanson. Oui, alors il faudrait vous mettre d'accord, parce qu'on va pas refaire tout le concert. Alors, qui aimerait la chanson allemande? Alors, on fait ça, puis après on rediscute éventuellement. C'est ça. La chanson allemande qui s'appelle donc Es muss alles anders werden, écrite en 48. Land der sanften Grünen.
a-t-il une demande particulière encore? Ça t'es un petit peu... Non? C'est pas l'italienne de service, là, qui... Non? La Stella Polare, oui, ou autre chose? On l'a chantée au début et à la fin, déjà, alors. Qui veut la Stella Polare? Qui veut E noi vogliamo? Non. Je vais chercher ma partition. Nave laggiù per il largo e lontano nel mare si perde, tutti intorno la notte già scende, sopra un mare che ha perso il suo blu, tutto un piccolo mondo di sogni, di dolore, sorrisi e parole, ha perduto la luce del sole, ma ha trovato una stella lassù. E la stella polare, tu la devi seguire, e la stella che immala ti insegna il cammino, tu devi vita la nave che sul mare è partita, se le vogliamo dare un scopo, una meta, la dobbiamo orientare con la stella polare, con la stella polare. Capitano che cerchi sul ponte, la tua bussola è forse smarrita, per trovare qui in terra una meta, devi prima guardare lassù. Capitani del nostro naviglio, se la bussola abbiamo smarrita, non dobbiamo mai dire è finita, c'è una stella su in cielo per noi. È la stella polare.